à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le Mécano. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le souci que j'ai là en ce moment sur le coffre arrière de ma Mercedes classe B. Alors c'est un souci, je pense qu'on peut rencontrer sur beaucoup de voitures. C'est une entrée d'eau dans le coffre. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déposé le feu arrière. J'ai mis le tuyau, j'ai arrosé un peu le dessus de la voiture pour voir si ça venait déjà au niveau du béquet. Parce que bien souvent ça peut arriver d'ici. Et donc j'ai constaté que l'eau rentrait au niveau du feu arrière droite. Donc c'est au niveau de l'étanchéité. Voilà, donc ça passe à travers, ça descend dans le bas du coffre. Et quand j'ouvre le coffre, du coup, il y avait encore les plastiques. Donc voilà ce que ça fait, ça venait couler derrière le plastique là. Et ça redescendait vers le haut du coffre et ça dégoulinait dans la voiture. Alors je vous explique pas le travail. Hein. Donc pour ceux qui ont une classe B, pour déposer le plastique, donc c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de tirer sur l'ensemble et vous avez des petits clips bleus là qui se décrochent tout seul. Vous tirez dessus et vous commencez par le haut et ça sort tout seul. Après la partie haute, j'avais sorti les deux carters du haut. Je vais vous faire voir, c'est des petits clips. Voilà, des petits clips comme ceci. Pareil, il faut tirer assez fort. Les plastiques sont assez durs quand même. Donc il faut faire attention de ne pas les casser. Donc voilà, si ça peut vous aider, je partage cette vidéo. Donc je vais refaire l'étanchéité autour du joint là, resserrer un petit peu les vis un peu plus, les resserrer un petit peu plus peut-être, parce que comme les joints ont séché, ça s'est détendu un peu. Donc, il y a juste les vis de 8 à sortir à ce niveau là et après le feu et arrière il sort. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à mettre j'aime. Vous abonner à ma chaîne Kito le Mécano, allez également sur ma chaîne Kito le Bricoleur où je mets de nombreuses vidéos de bricolage. Et puis je vous dis la prochaine vidéo.